Yop le vlog, donc bienvenue dans ce nouveau design vlog. Comme on l'a vu dans le dernier vlog, je continue à avancer sur Slidy tant que j'ai du bois, tant que j'ai de la matière première. Je continue à avancer dessus parce que le but vraiment c'est ici, fin de semaine, en tout cas fin de ce vlog, ce serait vraiment cool que je puisse enfin avoir une structure de pieds terminée tout simplement. J'ai les 4 pieds, maintenant ce qui me reste à faire c'est réaliser toutes les coulisses ainsi que les grandes traverses principales. Donc les coulisses, j'ai tout raboté, tout dégauchi, je vous ai pas montré ça parce que, comme je l'ai dit, hein, c'est tout le temps la même chose. Là, j'ai passé près de 10 minutes à passer toutes ces pièces là à la raboteuse 2 mm par 2 mm pour arriver à l'épaisseur idéale. Maintenant je prépare donc ma défonceuse pour commencer à réaliser ce qu'on avait présenté la dernière fois, c'est à dire les queues d'aronde qui vont permettre de réaliser les coulisses. On se retrouve tout de suite, tchuss. Rapproche tout doucement de quelque chose de pas trop mal. Voilà, je voulais faire la surprise, mais au final je l'ai découvert tout de suite. On a donc 2 pieds, 4 pieds et les rallonges ici et ici, donc qui sont donc faites. On va, voilà, vous finirez par avoir l'habitude, c'est pas top. C'est pas méga top, j'ai eu quelques problèmes avec la défonceuse pour les coulisses, je me suis pas mal énervé. Mais finalement, on arrive à quelque chose de potable, je pense, en tout cas pour un prototype. Une partie de la coulisse qui va être fixée sur le pied, et puis deux parties qui, elles, ne resteront pas fixées sur le pied. Une partie sur laquelle sera fixée la tablette en elle-même. Enfin, comme ça, on a une idée à peu près de quoi ressemble la table, j'essaie de vous donner le plus... Donc voilà, comme je le disais, ça a été compliqué, ça a été une sacrée bagarre, les défonceuses, j'aime pas trop ça. Enfin c'est pratique, hein, mais j'aime pas trop ça parce que c'est beaucoup de crasse, beaucoup de bruit et c'est toujours un peu risqué. On risque très vite de faire des grosses erreurs dans ce qu'on fait. Voilà, on va éviter de faire plus de bêtises, ciao. Comme prévu, Slidy avance doucement mais sûrement. Je viens de coller et de presser le premier pied. J'ai réalisé des petits assemblages, vous verrez vite à quoi ils vont servir. Donc c'est des assemblages mi-bois. Si vous ne savez toujours pas ce que signifie assemblage mi-bois, comme d'habitude, il y a toujours une petite vidéo qui va s'afficher sur les termes, les assemblages, etc. Normalement j'avais fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller les voir aussi, les Wood Theory. Le temps que la colle sèche, donc à peu près 2 heures, sauf que j'ai évidemment oublié de noter l'heure à laquelle je l'ai collé, donc il va falloir que j'essaie de m'en rappeler. En attendant ça, donc j'ai réaliser les coulisses comme ceci. Oui, maintenant j'ai un petit problème auquel je n'avais pas pensé parce qu'évidemment je réfléchis beaucoup au projet toujours en amont avant de les lancer, mais il y a un moment où je finis par en avoir marre de réfléchir et donc je finis par me décider à me lancer vraiment dans l'aventure à fond. Et là c'est ce que j'ai fait avec Slidy, je me suis lancé dans l'aventure et c'est au fur et à mesure de l'aventure que je me rends compte qu'il y a des petits problèmes. Donc ici le problème c'est avant tout, une fois qu'on va tirer dans un sens, déjà il n'y a qu'une seule coulisse qui vient et pas la deuxième, il n'y a pas un moment où l'autre finit par venir et donc on risque de tirer jusqu'à désemmancher. Ça va être une question à laquelle je dois réfléchir maintenant parce que je sais pas pourquoi, j'avais pas du tout pensé à ça. La technique habituelle qui est réalisée sur les coulisses, je vais dire habituelle d'une table, je pense pas que je vais pouvoir la réaliser. On a en général en fait dans la queue d'arôme, on a une rainure dans laquelle coulisse petit taquet qui est dans l'autre partie de la queue d'aronde. Et une fois que cette rainure s'arrête, elle est stoppée, bah du coup le taquet vient se caler contre et s'attire. Bon, j'ai peut-être pas été très précis dans mon explication. Or ici, moi si je fais une rainure en plus dans ma queue d'aronde qui est déjà toute petite, je vais vraiment déforcer l'assemblage. Or déjà ici, je suis déjà pas certain de la résistance de l'assemblage. Donc il faut que je trouve une autre solution. Une solution qui reste esthétique parce que je pourrais très bien placer ici, bon de l'autre côté normalement, mais en dessous des petits taquets qui se taperaient l'un contre l'autre au moment où ils se rencontreraient. Mais on va les voir. Donc il faut que je réfléchisse à quelque chose de mieux, de plus esthétique. Et on va faire ça maintenant. Voilà, je vous revois. Voilà, quoi qu'il en soit, tchuss. Comme j'avais un peu de temps, je me suis quand même déjà lancé dans quelques essais pour les rallonges. Et m'est venue une petite idée. Enfin voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, il en manque un. J'ai donc mis des petits, genre de petits taquets. Ce qui me permet donc de tirer sur la coulisse. Ce qui l'a fait s'arrêter une fois là. Et ensuite, en avançant la suite, elle s'arrête ici. Et comme ça, j'ai pile l'agrandissement qu'il me faut. Ce sont des petits taquets qui se retrouvent sur le dessous de la table. Donc, au niveau du visuel, à moins de se coucher sous la table, en fait, on ne les verra quasiment jamais. Donc finalement, c'est pas trop mal. Je leur ai quand même donné une petite forme sympathique, parce que ça ait l'air fini quand même, parce que c'est ça qui est important, toujours. On peut rajouter des petits éléments, mais il faut que ça ait un air fini, il faut que ça ait un air propre. Il m'en reste encore un à mettre ici, mais j'ai eu des petits problèmes en forant dedans. J'en ai quelques-uns qui ont splitté en deux. Donc j'ai dû en recoller certains parce que j'ai pas envie de les refaire et que ça devrait très bien tenir comme ça. Donc j'attends que cela ressèche un petit peu. Tchuss.
nouveau de passer une très grosse étape dans la réalisation de Slidy. C'est plutôt cool parce que je commençais un peu à avoir peur, je dois vous avouer, parce qu'il y a des trucs qui allaient de moins en moins bien par rapport à ce que j'avais prévu. En plus, ce matin, évidemment, j'avais réalisé des petits assemblages à mi-bois et je me suis rendu compte que je l'avais fait au mauvais endroit. Voilà. Eh oui. Ça arrive toujours, hein. Ça c'est quand on ne fait pas des plans corrects. Ce qui fait que je l'ai fait complètement à l'arrache et que du coup maintenant je me retrouve avec un assemblage à mi-bois vide et un endroit où je vais le mettre. Et donc au lieu d'avoir un assemblage à mi-bois parfait qui carie bien machin etc, je vais avoir une énorme, un énorme trou que je vais devoir combler. Voilà. Par contre, la bonne nouvelle c'est que la table prend forme et commence à avoir salement de la gueule. Alors voilà, on arrive déjà à la fin de ce nouveau vlog. On est arrivé à une table avec des rallonges correctes, des pieds corrects. Il va falloir que je rajoute, je pense, un petit peu de cire sur les rallonges pour qu'elles coulissent correctement parce qu'elles ont un peu du mal à coulisser. Maintenant, pour cette table, il va falloir avancer sur la réalisation maintenant du plateau, plateau supérieur, qui elle va coûter un peu cher, donc à mon avis, je ne me lancerai pas dans ce plateau tout de suite. Dans les prochains vlogs, donc on verra la fin de cette structure où je vais donc reboucher mes bêtises ici, je vais donc rectifier les coulisses pour qu'elles coulissent correctement, bien nettoyer les pieds parce que, comme on peut le voir, il y a encore des traces de brûlure et des endroits qui ne sont pas très propres. On se retrouvera peut-être pas la semaine prochaine avec un Wood Theory parce que je voulais faire une vidéo un peu particulière pour Noël. Sauf que finalement j'ai pris un peu de retard dans cette vidéo à cause des différents projets et de mon job. J'ai pas envie de faire une vidéo trop vite fait qui serait pas intéressante ou qui serait pas aboutie. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de propre et de bien. Voilà, à mon avis la semaine prochaine il n'y aura pas de Wood Theory, ce qui va un peu décaler les vidéos. Mais au moins comme ça le Wood Theory sera plus proche de Noël, ce qui sera plus logique. Et ensuite les vlogs, comme ça j'aurai un petit peu plus de contenu pour les vlogs, un peu plus d'avancée dans les créations, ce sera plus sympa pour vous aussi. Encore merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, encore merci aux tipeurs de tipper et n'hésitez pas à les rejoindre si le cœur vous en dit que vous avez de l'argent et que vous avez envie de le faire tout simplement, parce qu'on va vous forcer à faire ça rien que de regarder les vidéos, commenter, mettre des pouces bleus, etc. C'est déjà super top et n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait. Et sinon, à la prochaine.